Salut à tous les amis, c'est Fio et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 55 de votre série sur GTA V. Et je fais comme promis la dernière fois la mission de préparation de Trevor où il faut capturer un sous-marin. Alors est-ce que j'ai un silencieux sur une de mes armes parce que ça risque d'être tendu? Oui, je l'ai sur... C'est quoi, une carabine spéciale? Ah, c'est une carabine tout court. Donc ouais, ça risque peut-être d'être tendu. C'est ça le sous-marin que j'aurais récupéré, je suppose. Putain, je le pensais pas comme ça, mais enfin bref. Il va falloir que j'active une commande, je suppose. Il faut que je saute par-dessus, hop. Monter le sous-marin pour entrer. Alors déjà, pas de conneries, comment je refais pour remonter? Allez, remonte! Bah. Eh, je vais mourir les amis parce qu'il veut pas remonter quoi. Mais non, c'est pas ça pour remonter, là tu te noies. Coco! Putain, et c'est ouf quoi, je meurs bêtement parce que je sais jamais la touche pour remonter quand on est sous l'eau quoi. C'est ouf, j'en ai marre. Bon, deuxième essai. L'ennemi là, je crois qu'il fait le tour, je vais pouvoir aller. Bon, cette fois je me plante pas, on va bien être capable de le faire quoi. Le sous-marin. Rejoignez le point d'extraction. Je ne sais où. Ah, ça, je suis sous, je vois rien. Monter pour espace. Bah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, alors non, j'aurais pas dû. Par contre, je vais monter parce que. Alors, qu'est-ce qu'il a à faire? No one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution. They behave like they are. J'espère que je suis allé du bon côté, sinon c'est high-power guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting. Bon, comment je fais? Ah putain, non, je me suis carrément planté d'endroit. Oh, mais j'ai vraiment... Je suis vraiment... J'aurais dû faire le tour comme ça, quoi. Bon, bah allez, c'est parti pour... un petit tour. Okay, well, that's more like it. Super. Bon, c'est pas grave, on va aller voir les fonds marins un petit peu pour voir ce que ça donne, comment c'est. Enfin, c'est vrai que c'est, on voit que dalle quand même. Hein. Alors je vais voir ce que ça donne en caméra en vue première personne. Voilà, finalement c'est peut-être mieux la vue première personne hein, pour quand on contrôle le sous-marin. C'est sympa, ça change. Alors je me rappelle qu'il y avait une... Oula, ça
ça, faut que je fasse gaffe. Comme quoi, sur San Andreas, il y avait une vieille théorie qui expliquait qu'il y avait un sous-marin à trouver, je crois. Que personne. Enfin, si, mais qui n'était pas pilotable. Enfin, je sais plus c'était quoi l'histoire. Et là, ils l'ont enfin fait. Ici, alors je sais pas si c'est un clin d'œil justement à ça ou pas. En tout cas, c'est assez particulier et puis c'est vraiment dégueulasse quoi, on voit pas grand chose. Ah si, là on voit seulement quand on se rapproche du bord. Enfin du bord de ce qu'il y a par terre, ouais. Heureusement là, je vais pas pouvoir passer, il va falloir que je tourne. Il y a un mur. Alors, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il n'y a rien d'intéressant dans le fait de faire du sous-marin jusqu'au point d'extraction, je vous coupe et je vous emmène quand on y sera directement. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce qui crie comme ça là? Écoutez, je suis revenu parce que il y a quelque chose qui crie. Alors, est-ce que c'est des dauphins? Je sais pas. En tout cas, c'était assez bizarre. Ah merde, faut que je remonte un peu. Et j'ai remarqué que on a des chiffres en fait en dessous de la minima carte. Putain, qu'est-ce qui se passe là? On doit être trop près du fond. Qui avait des trucs sur la mini carte et en fait qui nous montrait à quelle distance était la surface et à quelle distance on était du sol. Là par exemple on voit que je suis un peu trop près mais que je suis à 10 mètres de profondeur. Voilà, faut que je l'extrais là-bas. Donc écoutez, bon bah c'est assez sympathique comme mission mais bon ça casse pas non plus trois pattes à un canard hein, voler le sous-marin. Alors je pense qu'on aura sûrement d'autres missions à faire avec le sous-marin. Parce que je pense pas qu'ils aient laissé seulement des fonds marins comme ça pour qu'on y fasse rien ensuite. Il doit y avoir quelque chose quand même. Ah mais il y a aussi ça, ça marche comme pour les hélicos en fait pour monter. Floyd, you there? Yes sir, I'm on the crane. The surface and I'll bring you shoreside. Alright. Ah ouais, parce que du coup avec sa grue il va nous récupérer le sous-marin, oula. Ah ouais quand même. Bon c'est pas fini, il va bien avoir quelque chose d'autre non? Ouais, il va falloir qu'on emmène maintenant le sous-marin sur le avec le camion, non? Oh, what are you doing? It's done. Let's go. Let's go. Okay, all right. Hurry up. Et les mecs qui piquent un sous-marin, quoi, mais c'est ouf. Vous disiez bien que c'était pas fini, hein, qu'il y avait encore autre chose. It's just down the road, Los Santos Marine, past the shipyard. Ils ont mis ça pour cacher le sous-marin, mais il est visible encore. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, 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 sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. You can park it there. Et si y a personne qui le verra, c'est ça? Je crois pas trop. Hein. You're sure it'll be okay there? On va se le faire voler. Sure. All right.
If you're wrong, I'll eat your sweetmeats! Now get out of here! Ah, c'est bon, on le voit plus. Mission terminée. Sinon, peut-être un jour. Ben voilà. Alors, le temps, pas d'abordage. Pas d'abordage. Bah, ça va être le fait de. De pas avoir. Bah, pourtant, j'ai pas prévenu personne sur le bateau. Enfin, bref, tant pis, c'est pas grave. Écoutez, ben, je vous dis donc à la prochaine pour un nouvel épisode de GTA. N'hésitez pas à poster vos commentaires, à aimer, à vous abonner. Et je vous dis donc à plus tard. Bisous, bisous, bye bye.